Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau projet. Donc, on a fait le DT, donc le DT c'est bon, il fonctionne. Hein. Donc là, on va s'occuper du scooter de mon petit frère, donc le TNT Grido. Donc c'est un scooter de 2017, c'est une norme Euro 3. On va remplacer le pot d'échappement, car dessus c'est un pot catalysé. On va mettre un pot Cito Plus qui est débridé et qui n'est pas catalysé. C'est le même pot que j'ai sur le Kinko. On va remplacer le carburateur, parce que le carbu qu'il y a sur ce modèle-là de scooter, c'est un carbu chinois. Sauf que le problème, c'est que c'est un carbu 19, de 19 mm, venturisé à 20 mm. D'origine, c'était comme ça d'origine, c'est un scooter neuf, hein, donc je l'ai eu neuf, ce scoot. Et en fait, sur ce scooter-là, ça, une fois comme ça, bah, vu qu'il ne roule pas souvent, une fois le carbu est encrassé, je l'ai démonté pour le nettoyer et je me suis aperçu que le carbu me paraissait gros et quand j'ai pris les mesures, bah, il faisait 19 côté admission et 20 côté filtre à air. Sauf que pour moi, c'est trop gros pour du 50 cm3, hein, surtout que là, en l'occurrence, c'est un scooter qui est complètement d'origine, donc avec le pot d'origine. Voilà, il est juste libéré, il roule qu'à 65 actuellement. Donc là on va le débrider, donc j'ai dit je change le pot d'échappement, le carburateur, donc j'ai commandé un carbu de l'Orto PHVA 17.5, donc à starter automatique. Donc c'est ce qui est monté en général sur les Neos et les Nitro. Donc vu que c'est une base de Neos et de Nitro, hein, parce que là-dessus c'est des carters Minarelli. Beaucoup de monde croit que vu que c'est un chinois, c'est des carters chinois. Non, non, c'est des carters Minarelli. Ça j'expliquerai dans une autre vidéo ça, le pourquoi que ce scooter là a des carters d'origine Minarelli. Donc bah là on va s'occuper, on va attaquer sur le scooter. Donc j'ai placé le scooter, je m'excuse, vous n'allez pas voir grand chose hein, parce que bah, le problème qui se passe c'est que je peux le trépied baisser au maximum, je peux pas le baisser plus. Donc là pareil, il y a le pot, on va enlever le pot. Par contre, il y a un recyclage des gaz qui est fixé à la boîte à air. Et ça, j'y avais pas pensé. Donc, j'espère que ça va pas trop poser de problème. Normalement, je ne pense pas. Il faudrait que je regarde comment c'est foutu sur les boîtes à air de Nitro et de Neos, parce que c'est les mêmes boîtes à air. Donc là, on va déjà desserrer le pot d'échappement au niveau du moteur. Hein. Donc bah, je vous passe ça en accéléré. Donc j'étais obligé d'enlever la patte de fixation du pot d'origine, hein, bah, je m'y attendais un petit peu. Donc là on va essayer d'assembler le pot. Déjà de comprendre à comment ça se monte hein. Donc voilà cette patte là qui vient comme ça, qui vient là-dedans. Voilà. On a un boulon qui vient là, celui-là il me paraît un peu long. On voit celui-là. Celui-là par contre il court. Ah, donc c'est bien celui-là. Avec un écrou. Je le serre pas tout de suite. Ensuite, il y a une patte
Ah, et là par contre vous allez rien voir. Si j'oriente la caméra, il paraît que c'est mieux. Voilà. Donc j'ai monté la pâte qui est là, là. Qui est là. Vous avez une autre pâte comme ça. En général, elle n'a pas de sens celle-là. Mais à part qu'il faut qu'elle vienne devant, vous mettez pareil un boulon avec un écrou. Voilà. Normalement, il y a la petite pâte là, faut que je redémonte l'écrou de l'autre côté. Il y a cette pâte là à mettre qui a elle par contre un sens. Il y a une partie qui est plus longue que l'autre, la partie la plus longue, il faut la mettre vers le haut. Faut suivre le schéma, de toute façon, hein, c'est pas compliqué. Normalement, là, ça devrait peut-être être bon. Alors, ça a pas l'air. Ça a pas l'air d'être bon, là. C'est pas bon parce que en fait je me suis gouré de sens sur une pâte. Une pâte que j'ai montée à l'envers, tout simplement. C'est ça quand on veut faire vite. Déjà placer le pot comme ça. Hein. Je vais dézoomer. Encore une fois, j'ai oublié d'orienter la caméra. J'ai dézoomé, c'est bon. Je vais replacer en dessous. Au niveau du moteur. Normalement c'est le bon pot, faut juste arriver à le fixer hein, tout simplement. Donc bah voilà, hein, c'est tout pour cette vidéo. Enfin, peut-être pas, hein, j'ai encore d'autres trucs à faire sur le scoot. Donc j'aurai encore les ressorts d'embrayage à monter. Je peux pas les monter tout de suite parce que je n'ai pas la presse pour comprimer le correcteur de couple. Puis je vais pas aller le faire comme ça, hein, j'ai pas envie de me prendre le ressort dans la tronche. Il est commandé, je l'aurai peut-être fin de semaine, début de semaine prochaine.
Là, j'ai monté le pot, j'ai monté le carbu, donc finalement, bah, réglage carbu, j'aurais voulu le faire que j'y serais pas arrivé, il est nickel. Donc, même pas eu besoin de changer le gicleur, j'ai juste fallu que je règle la vis d'air, hein, c'est tout, puis le ralenti, puis basta. Hein. Là, il a l'air même encore un peu riche, mais je préfère qu'il soit trop riche que trop pauvre. Donc voilà, j'ai monté les galets de 5,8 g dans le variateur, je sais pas ce qu'il y avait d'origine dedans, parce que bah, c'est le scooter il est neuf, il était neuf, hein. On l'a eu neuf, hein. Et il était entièrement d'origine, donc je pense que c'était les galets d'origine, mais je ne connais pas le poids d'origine. Faudra que j'essaye, par contre j'ai un doute à ce qu'il soit bridé encore à l'allumage, parce que je sais pas, en le mettant sur le béquille, en accélérant, il gueule pas tant que ça et je pense qu'il doit être bridé au CDI et j'ai un boîtier, c'est un boîtier CDI style dans le même style que les 4 temps. Alors j'en ai essayé un tout à l'heure mais donc c'est un boîtier CDI avec une prise comme ça. Ça c'est un boîtier CDI d'un Snenelas 4 temps en 50, mais le problème c'est que bah ça marche pas dessus quoi, hein, c'est normal, hein, ça a beau être la même fiche, c'est pas obligé que ça soit le même à l'intérieur. Donc peut-être qu'il est bridé à l'allumage, hein, ça je ne sais pas, faut fort que je m'en renseigne. Peut-être auprès de Scootfast et de MaxiScoot, hein, pour savoir. Car le garagiste qui m'a vendu ce scooter-là, bah il a arrêté son activité, donc je ne saurais pas. Donc voilà. Si jamais je vois que la vidéo est trop longue, ça s'arrêtera là et je ferai un autre épisode. Pour le réglage de la variation et des ressorts d'embrayage. Et sinon, si je vois que c'est pas trop, si c'est pas si long que ça, je verrai, je ferai peut-être un, je remettrai peut-être par la suite. Donc voilà. Donc bonjour, rebonjour, nous revoilà plusieurs jours après le début de la vidéo. Concernant le débridage du TNT Grido, ça se passe pas comme je le souhaitais. Donc j'ai changé le pot d'échappement, hein. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai changé le pot d'échappement, le carbu et j'ai fait le réglage du variateur. Et il roule qu'à 70, hein. Donc il a gagné que 5 km/h. Pour la seule et simple raison que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est bridé au boîtier CDI. Et ça, je m'en serais bien douté, vu que c'est un norme Euro 3. Donc, dans le coup, je suis coincé pour le moment parce que faut que je change le CDI. Le petit problème qui se passe, c'est que là-dessus, c'est un boîtier CDI avec une fiche, comme sur les 4 temps chinois, là, les GY6. Le problème, c'est que ce n'est pas des boîtiers CDI de 4 temps, parce que j'en ai essayé un dessus et il démarre, mais le machin il tourne comme une patate. Donc voilà, donc en fait il est bridé au régime moteur, ce scooter-là. Donc quand j'accélère à fond, on entend bien au son du moteur qu'il ne monte pas en régime, contrairement au Kinko. Donc je vais être obligé de changer le CDI. Donc dans le coup, je ferai ça dans une autre vidéo. Il faut encore que j'arrive à en trouver un. J'en ai trouvé sur Dame Sport, sur RRD Préparation, sur Maxi Scoot, mais je ne suis pas sûr à 100% que c'est les CDI pour ce modèle-là de scooter. Tant que je n'ai pas la certitude que ça soit il est bon, je ne les commande pas. Et de toute façon, je ne vais même pas les commander sur Internet. Je les commanderai plutôt chez mon concessionnaire. Comme ça, en cas de problème, je pourrais éventuellement le ramener. Voilà. Puis ça sera plus simple. Je pourrais essayer sur place surtout. Donc je vous ai mis en. J'ai changé la vue parce qu'il me faut la lampe torche parce que j'avais ouvert la fenêtre, mais ouais, tout le monde est arrivé. Donc dans le coup, concernant le grido, je vous ai dit, hein, il faut que je change le boîtier CDI pour le débrider. Je vais avoir aussi les ressorts de l'embrayage à changer. Ça, je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas la presse à les commander. Sauf qu'elle aurait dû arriver la semaine dernière et elle n'est pas arrivée à la bonne adresse. Ce qui fait que elle a pris du retard, hein, tout simplement. Je vais également aussi faire un test de ressort de poussée. Donc, on changera le ressort de poussée aussi dans la prochaine vidéo. J'ai un ami, là, le booster que j'ai refait il n'y a pas longtemps, il avait un ressort de poussée supplémentaire. Donc je vais l'essayer dessus. C'est un
10% plus rigide que l'origine, donc c'est un 22 kg. En faisant les recherches sur internet, je me suis aperçu quoi, que le 22 kg c'était un plus 10% de rigidité par rapport à l'origine. Donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Là, je vais revenir sur, sur autre chose. Sur deux commentaires que j'ai reçus, sur quelques commentaires que j'ai reçus là récemment. Dont deux concernant, enfin deux, un concernant le serrage aux quatre coins de la DT et l'autre concernant l'étape 2 du booster dans un sale état. Donc j'ai reçu ça. Donc les deux commentaires là, je vais commencer sur les deux derniers que j'ai reçus. Donc c'est Vince, la D, un truc comme ça le nom. Qui m'a envoyé un commentaire concernant le serrage aux quatre coins, la première vidéo du serrage aux quatre coins sur le DT, qui m'a envoyé une belle épave. C'est sympa. Le deuxième commentaire qu'il m'a envoyé, c'est sur l'épisode 2 du booster, là, la dernière vidéo qui a été publiée. Enfin, pas la dernière vidéo qui a été publiée, parce que ça se passe plusieurs mois après. Mais le deuxième épisode du booster épave, qui m'a envoyé nul, re-sympa, donc j'y ai demandé qu'il s'explique, il m'a pas répondu. Les autres commentaires que j'ai reçus, c'est, alors les commentaires que je vous ai dit là, c'était le 24 janvier, les commentaires que j'ai reçus d'un autre gars, ça c'était pareil au mois de janvier, c'était courant début janvier, alors c'est Andy Ney, lui par contre son nom c'est comme ça, qui m'a envoyé, alors je sais plus sur quelle vidéo, ouais, c'est sur la première vidéo de réparation du moteur de la DT, donc celle de 55 minutes, qui m'a envoyé. Je sais plus trop ce qu'il m'avait envoyé, mais il m'a envoyé deux commentaires négatifs aussi. Donc maintenant, on va mettre les choses au parfum tout de suite. Maintenant, chaque commentaire que je reçois qui sont négatifs, donc où on me dit des trucs, limite on m'insulte. Je les supprime direct. Maintenant, ça va être très clair. Ça va être comme ça. Je vais plus me casser le cul avec des commentaires comme ça. Moi, j'ai d'autres personnes qui suivent ma chaîne qui mettent des commentaires positifs. Donc, je vais plus me faire chier à répondre aux commentaires qui sont négatifs. Les commentaires négatifs, je les supprime direct. Voilà. Et les gens, s'ils sont pas contents de ma chaîne YouTube, ils cavent aller ailleurs. Moi, je les retiens pas. Moi, ça va pas m'empêcher de vivre. C'est clair. Maintenant, si les gens sont pas contents, si je fais soit pour eux du mauvais boulot, je les invite à se faire une chaîne YouTube et à faire de la mécanique. Et comme ça, nous, on pourra constater. Moi, je pourrais constater, voir s'ils font du bon boulot. Moi, perso, vous le prenez comme vous voulez, je suis peut-être pas un professionnel. Sauf que j'ai quand même des notions, parce que j'ai quand même fait plusieurs stages en mécanique. Et j'étais même à deux doigts de faire un CAP mécanique. Qui ne s'est pas fait parce que l'entreprise, le centre de formation était trop loin de chez moi. Voilà. Donc avant de mettre des commentaires, déjà les gens qui mettent des commentaires, c'est des gens qui ne sont pas, un, abonnés à la chaîne, deux, qui ne regardent pas les vidéos entières, parce que j'ai regardé, hein, la durée de visionnage, vu le nombre de vidéos que j'ai mis, il n'y a quasiment rien. Hein. Voilà. Je crois qu'il n'y a que ceux qui sont abonnés qui regardent mes vidéos entières. Hein. Voilà, les trois quarts des gens qui mettent des commentaires de façon négative comme ça, c'est des gens qui sont pas abonnés et qui regardent pas les vidéos entières. Donc déjà, avant d'ouvrir leur gueule, déjà qui s'abonnent et qui regardent les vidéos. Enfin, ils sont pas obligés de s'abonner, mais qui regardent au moins les vidéos entières. Voilà. Donc bah, c'est tout pour cet épisode. Hein. Donc prochain épisode, on changera le ressort du correcteur de couple, on changera les ressorts de l'embrayage. Si j'arrive à avoir un CDI, on changera le CDI. Je vous ferai même un test, hein, je vous montrerai ce que ça fait qu'un CDI bridé et ce que ça fait qu'un CDI qui est normalement débridé. Bon, je ferai des tests avant, hein, ça c'est clair. Ça m'évitera de raconter des conneries dans les vidéos. Donc voilà. Donc bah c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner. Alors, pareil, là, je vais causer d'une autre chaîne que je suis. C'est la chaîne 103 Mob Stories. C'est une très bonne chaîne aussi qui fait de la mécanique de deux roues. Donc principalement sur les mobilettes. Allez vous abonner à cette chaîne. Le gars, c'est une des toutes premières chaînes YouTube que je suis. Ça fait maintenant, je crois, 3-4 ans que je suis cette chaîne. Allez vous abonner à cette chaîne. Voilà.
Donc bah, vous pouvez me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Mecaboîte. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications, vous serez averti quand une vidéo sort. Likez et partagez les vidéos. Salut !